lies the silence, just waiting for you to transform it into music. Il aimait beaucoup la musique jazz, il aimait beaucoup à danser, n'est-ce pas? Et on allait de temps en temps dans le café de Versailles, place de Rennes, et là, il y avait une petite salle, n'est-ce pas, où on pourrait danser et prendre un verre. Et il adorait ça. Je dois même dire, n'est-ce pas, qu'il dansait un peu difficilement, puisque ma femme a accordé de danser avec lui, mais il dansait carré. Hein. Alors, tandis que ma femme a dansé aussi avec Brancusi, et là, ça n'était pas de carré. C'était mieux avec, de danser avec Brancusi qu'avec Pierre. Lui, il aimait toujours le jazz et il voulait à tout prix m'apprendre à danser le charleston. Moi, je ne suis pas grande admiratrice de la musique de jazz, mais il voulait à tout prix m'apprendre ça. Et un jour, il est venu chez nous, il a apporté son gramophone et ses disques pour m'apprendre à danser le charleston. La vie de mon père était très, très dure. Et pour nouer les deux bouts de la semaine, il était obligé de faire de temps en temps une fleur. Alors, en payant de temps en temps une fleur, il pouvait s'en tirer dans ces années extrêmement dures. Et un beau jour, ça devait être en 25, je crois. Tout au plus tard, c'était en 26, il l'a dit. Maintenant, tant pis qui arrivera, je ne veux bien mourir de faim, mais je ne fais plus de fleurs, je ne peux plus, c'est trop dur. C'était l'artiste le plus avancé, qui allait le plus loin, qui dépassait les bornes. Et comme disait Fernand Léger avec beaucoup de gentillesse, il va trop loin, il va trop loin. Comme les gens du Nord, les Hollandais, les Scandinaves, ils vont trop loin. Et ça n'est plus normal, on ne peut pas aller jusque-là. Mais Léger était extrêmement inquiet sur Mondrian. Il me questionnait toujours chaque fois que je le voyais. Il me disait, et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mondrian's studio serves as a laboratory, and he subjects it to constant changes. It is at the same time both a material and a conceptual space that anticipates his creations or maintains a dialogue with the works in progress. The most important rule in life and in art is to have balance. As life becomes more balanced, so art will disappear. We will no longer have any need of paintings and sculptures, for we shall be living in the middle of a work of art.
Bien sûr, il était célibataire, n'est-ce pas? Puisqu'on ne peut pas, dans un milieu pareil, imaginer un enfant ou une femme. Ce n'est pas possible. C'est invivable. On peut vivre avec un tableau, mais pas dans un tableau. Moving into three dimensions, Mondrian builds a model for the sets of L'Éphémère et Éternel, a play by his friend Sophore. For financial reasons, though, the project will never see the light of day. The fashion is for architecture and design. The modernist utopia is under construction, and neoplastic art is venturing little by little into three dimensions. The De Stijl Group's architects are taking on ever more projects so their art can become a part of daily life and dreaming of living spaces that have more poetry to them. If those people sympathetic to neoplasticism would compose their interiors according to its precepts, easel painting could gradually disappear, and the new plasticism would thus truly come to life all around us. It's so difficult to express, to paint, what one is feeling. It's a great struggle. I know it would be absolute torture if I could not get it down on the canvas. I never feel free. There's always this compulsion urging me on. When I finished a painting, I feel a momentary satisfaction. Then the pressure starts again. It never stops. La situation était très défavorable. Elle était en vérité désespérée. Il n'y avait aucun intérêt à Paris pour l'art abstrait, aucun amateur. Et il y avait le groupe, ce petit groupe d'amis qui se voyaient et qui était un tout petit troupeau et qui cherchait courage les uns auprès des autres, les 5 ou 6 que nous étions. Et c'est ça qui a donné l'idée de faire quelque chose de plus ample. Nous nous sommes groupés. Et c'est avec cela que nous avons fait la petite revue et l'exposition Cercle Carré, qui était un désastre. Nous n'avions pas de visiteurs. La presse s'en moquait terriblement. On rigolait en la dépens. Et l'homme que nous voyions le plus souvent dans la galerie, c'était Picasso, parce qu'il habitait le même immeuble. Et tous les matins, il était là. Although he has a phobia for crowds, Mondrian seems to need the intellectual stimulation of the movements that formed around him. Ever courteous, while indifferent to the opinions of others, he remains silent, taking notes off to one side. He keeps his thoughts to himself. This evening, Sophore is going to pick him up at his studio. Apparently, a talented young trumpet player is making his first ever appearance in Paris. His name is Louis Armstrong, and he is just over from America, bringing a whole new sound with him. America, a promised land for artists. Oh, Dinah, is anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know, sure to me, Dinah, the Dixon pleasant, love the city's gazing to the eyes of Dinah me. Baby, every night, one eye, shake with my heart, cause my Dinah mind, change your mind, Bobby, did you hear? A
complex system of frameworks, double lines or thicker ones. A rigid network framed in a brutal black that gradually encroaches on the canvas to the point of saturation. A grill, a prison. The premonition, perhaps, of imminent catastrophe. When in 1937 the Nazis organize an exhibition of degenerate art, Mondrian too will be singled out. Die Kunst muss, um ein solches Ziel zu erreichen, auch wirklich Verkünderin des Erhabenen und Schönen und damit Trägerin des Natürlichen und des Gesunden sein. Es ist nicht die Aufgabe der Kunst, im Unrat, des Unrates wegen zu wühlen, den Menschen nur im Zustand der Verwesung zu malen, Kretäs als Symbol der Mutterwerdung zu zeichnen und krumme Idioten als Repräsentanten der männlichen Kraft hinzustellen. Kunst muss, um ein solches Ziel zu erreichen, auch wirklich Verkünderin des Erhabenen und Schönen und damit Trägerin des Natürlichen. Kretäs als Symbol der Mutterwerdung zu zeichnen und krumme Idioten als Repräsentanten der männlichen Kraft. The New World. For Mondrian, Manhattan and its skyscrapers are the very prow of the ship of civilization. It is a geometrical city and vertical, a monumental moving work of art. After a stay in London, where the bombs catch up with him, Mondrian arrives in New York on the 3rd of October, 1940. He is met off the boat by Harry Holtzman, a young painter whom he had met in Paris. Holtzman finds him a studio on the corner of 56th Street and 1st Avenue. Of course, he'd come in a convoy, and he'd had to be on deck for the most part of the whole month that it took to cross from England. He had to be on deck in a life jacket most of the time, and I can imagine there was much anxiety and not the best of food. And when I took him off the ship, he wasn't very well. But I took him to a hotel that night, and it was very high up, so he could get a splendid view of the whole skyline of Manhattan. They told me New York was a hellish place, that it made you old before your time, that gangsters made the laws there. That may well be true, but that is not the New York I saw, the one I loved and thought of as my own. Mondrian has met up with many other artists in exile. He is happy in New York, perhaps more happy than he has ever been. Above all, it is the spectacle of the city and its noises that enchants him. The sounds, the brilliant lights, and all the animation on Broadway. His enthusiasm for the new music has not diminished with age. The frenetic boogie-woogie rhythms he discovers seem to him a spontaneous expression of the pulse of Manhattan. Its roaring traffic, its perpendicular streets, its windows endlessly reflecting the skyscrapers. In this great metropolis, he sees some of his ideas made real.